Cette fois-ci, la France se retrouve pour une nouvelle vidéo LEGO Review aujourd'hui du Polybag 3657 de la gamme Speed Champions McLaren Solus GT. Du coup, c'est un petit Polybag qui est sorti récemment, je crois. Hein, je crois que c'est 2022 ou 2023, je crois. C'est plus 2022. Mais en gros, c'est la version miniature d'une voiture qui sont sorties dans la gamme, qui est sortie bien après, du coup, en Polybag. Mais du coup, donc c'est pas le premier Polybag de ce genre qu'on voit sur la chaîne. D'ailleurs, c'était une autre McLaren bleue à deux places. Du coup, je sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, vous avez la review sur la chaîne. Mais en gros, du coup, on va faire le tour de cette petite voiture. La spécificité de ces polybags, c'est que déjà, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça, c'est pas voilà. Mais en gros, c'est surtout que, eh bien, il y a des stickers même dans ces polybags-là. Donc, ils veulent vraiment pas pour les. Ils veulent pas du tout topographier leurs pièces. Et en plus, les stickers Speed Champion, c'est vraiment pas facile à coller. Il y en a plein partout. C'est horrible. Mais en tout cas, on va quand même faire le tour. Donc, du coup, cette voiture stickée de partout. Bah, déjà, on a un sticker là, 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 là. Et c'est tout. N'y a pas beaucoup de stickers, c'est bien. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de délire manteau, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Donc, du coup, ici, on a la partie, bah, on peut s'imaginer que c'est là où le conducteur est. Tout simplement, on a les petits trous ici, pardon. Les arches juste là, qui sont assez bien représentées. Les propulseurs, on va dire, même si c'est pas ça, mais les pots d'échappement, voilà, juste ici. Les feux de recul, juste là, voilà. On a ici l'avant du pare-choc et l'aileron à l'arrière qui est stické de partout. Ça roule assez bien, c'est ça le côté positif. C'est que même à cette échelle-là, ils arrivent à faire des véhicules qui roulent, pardon. Et je pense que si on se débrouille bien, on peut même réussir à le refaire dans le jeu 2K Drive là. On peut évidemment enlever ces pièces-là pour mettre un siège et mettre le conducteur dessus. Ça peut être assez marrant. Donc surtout qu'on a la notice cette fois. Donc non, franchement, ça peut être assez cool de mettre ça ici. Non, franchement, je pense que ça peut être assez sympa de refaire ça dans le jeu. Bon, après, clairement, moi je le ferai pas parce que moi bon, j'ai un Joy-Con Rift sur ma Switch et c'est pas ouf. Mais voilà, je sais, je vais dire. En tout cas, c'est un petit polybag plutôt sympathique. Et si vous avez la grande version, vous mettez ça à côté, ça passe crème. Et non, franchement, c'est plutôt sympa ce genre de petit polybag là. J'aime beaucoup. Et voilà, ouais, donc c'est à peu près tout hein, pour cette petite vidéo LEGO Review. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me faire penser une fois que j'aurai fait le post communautaire. Et voilà, bah, du coup, c'était M. Plus qui vous dit bye bye!